gotta find my way to you. Even though you're next to... Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Michel. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une vidéo de cuisine. Nous allons cuisiner ensemble les épinards sautés avec la viande de porc et des écrevisses. Comme vous voyez en vidéo, je suis en train de faire bouillir les épinards à ma mitre ouverte avec le bicarbonate pour garder la couleur, juste pour 5 minutes, pas plus. Comme ingrédients, j'ai juste mis de la tomate, des poivrons verts, rouge et jaune, des carottes, des écrevisses, de l'ail et du piment. Rien de compliqué. Après avoir assaisonné ma viande de porc avec du poivre blanc et du sel, je la fais directement griller dans la marmite avec de l'oignon. Mon ami, si tu es de passage sur ma chaîne et que le contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification afin d'être informé lorsque je publie une vidéo. Puisque mes bâtons de manioc étaient congelés, il fallait que je les mette dans la marmite afin de les réchauffer comme vous voyez en image. J'assaisonne toujours mes épinards avec du poivre blanc, du sel et du cube magique crevette avant de les faire frire. C'est magnifique. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter pour m'encourager. Merci. Pour gagner en temps, j'ai juste ajouté mes tubercules de manioc au-dessus des bâtons. Le goût de la viande dans l'huile avec du poivre blanc et du sel. C'est la magie. Une fois la viande bien grillée, j'ajoute de la tomate au-dessus et je fais frire à nouveau. Je vous prie de vous abonner sur ma chaîne et liker la vidéo pour m'encourager. Merci. Après 10 minutes de friture, j'ajoute mon piment, mes poivrons verts, rouges et jaunes.
Après quelques temps, j'ajoute mes carottes, l'ail ainsi que des écrevisses. Si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager ma vidéo pour m'encourager la famille. Merci. Moi, quand je fais mon sauté les épinards, j'aime quand les carottes sont un peu dures. Là, je suis encore en train de goûter pour voir si les carottes sont correctes. Lorsque je veux mettre les épinards dans la mamie, je le fais en trois temps. Je mets une première partie, je tourne, je tourne, je tourne. Je remets une deuxième partie. Je tourne à nouveau et je mets la dernière partie. Je retourne à nouveau. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager et d'appuyer surtout sur la cloche de notification pour être au courant lorsque je publie une vidéo. Après avoir mis mes légumes et tourné, à la fin, j'ai juste ajouté un peu de sel et des rondelles. Rien de compliqué vraiment, rien de compliqué. Là, mes légumes sont prêts, mes manioc sont prêts et juste à déguster. Le goût de ça. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et que Dieu vous protège. Bisous. Mouah! That our love has capsized.